Salut gens, c'est Meme25, aujourd'hui me rejoins notre compagnie pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et aujourd'hui, pour mes anciens abonnés, et peut-être que certains reconnaîtront la maison que j'avais fait durant une émission de création. Enfin, c'est d'ailleurs le premier épisode d'une série que j'ai jamais coutumé, parce que j'ai jamais eu le temps, jamais fait des sauts de construction. Donc là, en fait, on va déjà visiter ma maison. Aïe. Il s'est enfin arrêté de pleuvoir, pas trop tôt. Donc, on va déjà visiter la maison, parce que j'ai un peu changé quand même. J'ai fait pas mal de modifications. Donc, on va aller voir ça, et après, bah, je vous montrerai la ville que j'ai fait autour. Alors, c'est parti, on va déjà voir. Donc là, j'ai mis des lampes de redstone pour éclairer tout autour. Donc, j'ai un peu modifié hein, l'extérieur, mais surtout l'intérieur. Donc, hop, on entre. Je me suis bien fait chier d'ailleurs, je peux vous dire ça. Je me suis bien cassé la gueule. Je me suis bien énervé. Donc là déjà j'ai. Donc il y a pas mal de choses qui viennent de la série des cubes. Hein, pour ce. Je pense qu'à peu près tout le monde connaît de ce Fantasy de ce 4 Ebobinon. Donc ça c'est une télé, donc pareil, qui vient de la saison 3 et 4. Non, 2 et 3. Ouais, ils ont fait une télé sur les deux, je crois bien. Alors là, et puis là j'ai mis deux petites étagères, là ça fait rangeoir. Là deux petites bibliothèques aussi que je me suis amusé à mettre des noms d'anciens jeux, un peu rétro vu que c'est un peu l'univers de Minecraft, hein, un peu rétro. Donc là ça fait une télé, puis ça fait comme si. Là, je me suis un petit peu amusé vu que ce tableau ça fait un peu à la Street Fighter avec les deux combattants. Donc là j'ai mis des jeux vidéo, des vieux jeux vidéo, excusez-moi, la Street Fighter, et là, Street of Rage, Mall, Mortal Kombat, pareil, un jeu de fight, Pac-Man, bien sûr, ça tout le monde connaît, Doom, qui était un des premiers FPS, reconnu comme le tout premier FPS de l'histoire du jeu vidéo, Daggerfall, qui est l'ancêtre de Skyrim, en gros, Dragon Slayer, qui est, ça dépend de quelle version, mais, c'est-à-dire la version, je sais plus sur quelle console c'était, pour ceux qui connaissent, le joueur du Chronique a fait une vidéo là sur ce jeu Dragon Slayer, donc vraiment un jeu pourri, mais je voulais quand même me faire une petite place ici. Et puis Virtua Cop, donc j'ai déjà fait une vidéo dessus, enfin sur le 2. Et je trouvais que ça en nom, donc j'ai mis ça. Donc là j'ai fait un petit quadrillage pour faire un peu de tapis, moquette, donc en noir et rouge. Donc là pareil, le canapé qui vient de D-Cube, la cheminée qui vient de D-Cube bien sûr. Donc on a un quadrillage en bois normal et en noir. Ah oui, alors et là j'ai fait un truc un peu spécial. Au début c'était un plafond tout simple avec du quadrillé, il y avait de la bûche et du bois comme ça, du bois tout simple en quadrillage. Et là je me suis un petit peu amusé à faire ce truc, enfin amusé non, parce que le temps que j'ai mis à chercher quoi faire, donc finalement j'ai fait ça, ça rend pas trop mal. Une petite bibliothèque, c'est assez vide hein, quand même, c'est assez vide, mais je vais peut-être mettre des autres trucs dessus, je verrai ce que je mettrai. Donc là, un aquarium donc, que j'ai fait avec deux cubes de glace, pareil, importé, deux des cubes, la cheminée, donc il prolonge, une petite table en terrasse. Donc là, c'est vraiment vide, hein, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose, je verrai quoi mettre plus tard. Là on est dans la chambre, donc là j'ai mis ce petit tableau, ce qui était pas mal. Là le lit, pareil le lit à baldaquin, qui est ce qui vient de. Enfin c'est pas exactement le même, mais qui vient de la saison 3 des cubes. Pareil, l'ordi qui vient aussi de la saison 3. J'ai pris beaucoup de choses hein, de la série des cubes, surtout de la saison 3. C'est fait pour ça, hein, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Hein, là. Pourquoi il y a deux cubes là. C'est pour ça qu'ils l'ont fait, hein. c'est pour nous, hein. C'est pour qu'on reproduise leur création qu'ils l'ont fait. Donc, là c'est juste une petite échelle pour le premier, rien de spécial. Donc, voilà, c'est tout pour cette maison là. Donc, hop, on va sortir. Si bien. Ah, je bug, excusez-moi. Okay, bon, d'accord, il ne veut pas se mettre en vol, en mode vol. Donc
Voilà, là où donc on a aussi les trucs sortis de des cubes, là ce sont deux. Donc, je sais pas comment on appelle ça, des petites fenêtres. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ça. Je vais essayer de passer le plus rapidement possible parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ah oui, puis j'ai donné des petits noms. J'ai fait une petite aile là, puis j'ai donné un petit nom. Manoir les pins, pour les pins, parce que ça c'est du bois de pin, voilà, tout simplement. Et puis, ah oui, alors je vais vous montrer juste très rapidement dehors. Hop. Là j'ai fait une petite, un petit endroit avec des. Là j'ai mis des pins pour aller avec la maison. En plus on peut se baigner, c'est magnifique, une petite plage. Ensuite on continue. Donc j'ai fait des chemins et tout, hein, bien sûr, pour la ville. Des routes. Donc là on continue. Là c'est l'hôtel de ville qui est en création. Enfin, ouais, l'hôtel, c'est un peu ça. Donc il sera vraiment grand. C'est déjà le nom que je vais appeler, ce sera l'hôtel Spurs. Pas comme les Spurs, hein, les joueurs de basket, non. J'ai pris Spurs parce qu'en fait c'est du pin là, tout le bois qu'on voit là c'est du pin. La bûche et ça, c'est ça. Ce bois là il vient du pin. Pin PINS, hein, bien sûr, pas le pain qu'on mange. Donc Prosper, parce que c'est le nom anglais pour dire pain. Et je voulais pas l'appeler Hôtel des Pins vu qu'il y a déjà le manoir les pins qui est là. Donc voilà, propriétaire 25. Ensuite on continue. Donc là j'ai me fait encore des petites lanternes pour éclairer. Hein. On continue, j'ai fait pas mal de petites maisons, enfin plusieurs, vu que j'ai pas encore fini. J'ai pas fait l'intérieur, hein. L'intérieur je ferai plus tard. Donc là c'est ah oui, j'ai oublié de dire que c'est la version 0.5 en fait de la ville, parce qu'elle est pas du tout terminée, l'intérieur des maisons n'est pas fait et tout. La version 1.0, ce sera quand j'aurai fini l'intérieur des maisons, etc. Donc j'ai donné des petits noms, hein, aux maisons. Ah bah c'est manoir les pins, là c'est maison, là c'est un plaid parce qu'elle est très simple. Voilà. Donc hop. Oula, petit bug, excusez-moi. Donc voilà, très simple, c'est petit, hein, c'est encore une fois c'est simple, hein, j'ai pas essayé de faire dans le gros, dans le grand, dans le beau, j'ai fait simple, voilà. Là on a la classique, donc un style très classique, hein, qu'on peut voir beaucoup sur les serveurs. Donc voilà, avec un toit comme ça, je sais pas comment on peut l'appeler. Ensuite on continue et là on a la maison, la palotte. Pourquoi la palotte? Parce que les palottes, quoi, c'est pas pour dire blanc, en gros j'ai appelé comme ça parce que j'utilisais que du bouleau et du bois de bouleau, enfin de la bûche de bouleau et de la planche de bouleau. À l'intérieur bah, j'ai fait du bois normal, quoi, par contre. Voilà, donc assez spacieuse, hein, quand même. Et elle est pas trop mal celle-là. Celle-là j'ai fait c'est un style particulier, hein. Un bug. Ah voilà. Putain, ça fait que de bugger, excusez-moi. Hein. Voilà, donc gros bug, hein, c'est mon ordi qui fait des petits caprices là. Oh là là, ça lag à mort. Je sais pas si vous voyez l'écran, mais moi c'est horrible. Ouais, donc voilà, c'est tout pour celle-là. Donc c'est un style très spécial, mais j'ai envie de la faire. On continue, on avance. Sur le chemin, bien sûr. Hop. Voilà, donc là on arrive aux autres. Alors là, vous remarquerez que c'est pas super symétrique là, l'entrée là, puis là il y a le balcon qui est là. Bon, j'ai pas fait exprès, j'avais envie de décaler, mais j'avais la flemme en fait. Parce que j'aurais dû décaler tout le chemin et tout. Donc ça avait vraiment la flemme, je ferai peut-être plus tard. Maison là spacieuse parce que celle-là est vraiment plus grande que les autres. Encore une fois, j'ai pas fait l'intérieur, hein. Je ferai plus tard, comme je dis. Encore un lag, hein. Je suis vraiment désolé. Donc voilà, celle-là elle a vraiment pas mal de place, beaucoup plus que les autres en tout cas. Donc voilà, j'ai fait un style de toit. Oh, putain. Allez là, je suis vraiment désolé pour les lags, hein, c'est la faute à mon ordi. Donc voilà, on continue. Donc là, un style de maison différent des autres qu'on a vu avant. J'ai appelé la rougette. Comment j'ai appelé celle-là déjà? La spacieuse, ah oui, ça. J'ai un petit trou. Alors que j'ai dit il y a même pas une minute. Donc la rougette, donc faite en briques et en stone brick.
Voilà, un style bien différent des autres. Donc voilà, celle-là elle est à peu près la même taille que les autres. J'ai fait une petite cheminée là, comme ça. Celle-là, la cheminée, je l'ai prise d'une vidéo de Biloulette que j'avais vue. Elle a fait une cheminée dans ce style-là. Et j'en avais envie de reproduire. Et là, en face, ça c'est la dernière. Donc, enfin, je sais pas la dernière, je vais en refaire des autres, hein, mais c'est la dernière que j'ai conçue qu'on a victorienne. Pourquoi j'appelle la victorienne, je sais pas. Sûrement parce que. Donc, ce style de maison et de toiture, il vient de la saison 2 de Décubes. Encore une fois, j'ai tout repris. Ça lag, je suis vraiment désolé. La victorienne, parce que c'est Bob Linnan qui m'a fait marrer à un moment de la vidéo de Décubes saison 2, aussi qui disait c'est un petit style victorien et puis après il partait en délire. Bref, j'ai appelé la victorienne pour ça. Parce que j'avais pas d'autres noms, je trouvais pas d'autres noms à faire. Donc là, on continue. Hop. Donc là, je vais continuer là-bas. Donc là, en fait, le premier village, si vous voulez, il s'arrête là. Enfin, peut-être faire une ou deux maisons. Je verrai. Et là, je vais aller là, je vais faire un petit point. Ensuite, je vais continuer le chemin. Arrête de bugger Minecraft, s'il te plaît. Merci. Donc, je vais continuer le chemin jusqu'ici, à peu près, dans la montagne. Donc, je vais tout creuser. Je suis vraiment désolé pour les bugs. Donc, je vais creuser dans la montagne là, puis je vais faire une gare qui en quand même. Voilà, j'ai du mal à parler moi, qui emmènera à un deuxième village que je ferai plus loin, ou plutôt une ville, enfin, parce que là c'est vraiment un village. Plutôt faire une ville, je serai un peu plus gros. Donc voilà, et dans la ville, je ferai plus d'autres styles de maisons, etc. Parce que là, j'ai surtout fait des maisons, surtout en bois. Là-bas, je pense que je ferai surtout en briques et puis je ferai aussi des autres trucs. Genre, voilà, on a un hôtel, mais je ferai là-bas, je ferai, je sais pas, des magasins, des trucs comme ça, quoi. Des piscines. Tandis que là, c'est vraiment un village très simple. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, le commentaire, de vous abonner, ça aussi, ça fait plaisir. De rejoindre mon Twitter et ma page Facebook, les liens sont dans la description. Allez, à plus!